Bonjour et bienvenue à la cuisine du magazine Le Goût. Je m'appelle Garamri et aujourd'hui nous faisons une recette délicieuse, gombo à la saucisse andouille et le poulet. Dans cette recette, nous utilisons un tiers d'une tasse de l'huile végétale, un tiers d'une tasse de la farine, un oignon, deux branches de céleri, un poivron vert, une saucisse andouille, trois gousses d'ail, du sel, du paprika, du poivre de Cayenne, du poivre noir, un demi d'un kilogramme de poulet, trois tasses de bouillon de poule, un quart d'un kilogramme de l'okra et de la poudre à filet. Nous commencerons avec le roux. On mélange du gras et de la farine et l'épaississante primaire du gombo. Placez l'huile et la farine dans une casserole grande sur feu bas. N'utilise pas de l'huile d'olive qui peut ajouter un goût étranger au gombo. L'huile végétale est plus appropriée pour cette recette. Mélangez constamment. Le roux deviendra plus foncé avec temps et il gagnera plus flaveur aussi. Alors, si nous cherchons un roux bon, il faut que nous mélangions le roux pour un bon moment. On dit qu'après deux bières, le roux sera prêt. Donc, préparez une boisson et écoutez à votre musique favorite. À votre santé! Quand le roux est prêt, nous ajoutons les légumes. Dans la cuisine française, on utilise le mirepoix, une combinaison de céleri, d'oignons et de carottes. Mais dans la cuisine cajun, on remplace les carottes avec un poivre vert. Ces trois ingrédients sont appelés la trinité par les cuisiniers cajuns. Si catholique, non? Ajoutez la trinité et mélangez avec une pincée de sel. Quand nous ajoutons l'ail au mélange, la trinité devient la sainte trinité. Pendant que les légumes suaient, chauffez les épices dans une casserole séparée et ajoutez aux légumes. Puis, cuisez la saucisse séparément. La saucisse et les épices gagneraient plus de flaveur quand nous les cuisinions sur un feu haut. Et quand les oignons sont translucides, ajoutez le bouillon. Faites bouillir et puis mettez le feu à bas pour faire mitonner le gombo. Couvrez le gombo pour 1 heure. Parce que j'ai de bouillon qui reste, j'en utiliserai pour cuisiner du riz pour servir avec le gombo. Si vous voulez, vous pouvez servir le gombo avec du pain, des biscuits salés ou toute seule. Après 1 heure, ajoutez le poulet en pièces de 3 cm. Couvrez le gombo pour notre 15 minutes. Après 15 minutes, vous pouvez ajouter l'ocre coupée. La substance gluante dans l'ocre épaississera le gombo encore plus.
Beaucoup de gens n'aiment pas ce légume vaseux, donc cette étape est optionnelle. Vous pouvez utiliser des filets pour épaissir le gombo. Il ajoutera une flaveur douce et distinctive. Après une autre 10 minutes, le gombo sera prêt. Le servez immédiatement. Et voilà, le gombo est prêt. Je peux sentir tous les épices et la saucisse que nous avons cuisinées. Oui, c'est évident que cette recette n'est pas la plus vite. Mais quand vous goûtez la première cuillère de gombo, vous savez qu'il vaut le coup d'attendre. Je vous promets. Donc, j'espère que vous l'essayerez. Bon appétit!